Bonsoir, bonsoir tout le monde qui j'ennuie. Non pas c'est Cylien Saüle. Je salue tout le monde qui est abonné à la chaîne là ou même qui peut encore abonné à la chaîne là, moi conseiller ou abonner parce que sous chaîne ça nous porter un pile conseil comment pour capable gérer finances personnelles ou et qui sont tout capable créer richesse. Ça veut dire et une façon pour capable gon l'autre vie économique. OK? Eh bien, qui ça nous parle dire dans vidéo ça? Nous parle parler ou de entrepreneuriat et business. Nous connaissons grand pile monde qui fait business, qui considère comme entrepreneur et gen des monde qui tout qui c'est entrepreneur qui pas ouais monde ça yo comme entrepreneur monde qui fait business yo. Eh bien, dans vidéo ça nous parle essayer aborder question ça pour vous. Tout de suite, nous allons détailler chaque thème ça yo pour dans vidéo ça. N'a pas prendre que entrepreneuriat c'est pas une discipline, li pas une filière tant que gens monde ka comprendre marketing ou bien comptabilité parce que il y a des monde qui dit bon, m'ta remen entrer dans entrepreneuriat, m'ta remen faire sacré l'entrepreneuriat. Non, entrepreneuriat ce n'est pas une filière, ce n'est pas une discipline aussi. OK? C'est pas tant qu'on parle dans l'université ou dit bon, voilà apprendre comptabilité ou bien voilà apprendre et tant qu'on yon science. OK? Bon, on a entré dans le sujet à tout de suite et pour nous capable porter éclaircissement ça pour cap garder vidéo ça et s'ouvre plus moun proche ou capable partager vidéo ça avec yo tout. OK? Eh bien, yon businessman qui s'allie, c'est yon moun qui fait achat et vente. Ouais. Yon moun qui achète yon produit pour le revendre produit. Par exemple, yon moun qui achète vêtements et pour le revendre vêtements. Moun ça c'est yon businessman, yon moun qui fait business. Ouais, c'est un monde qui crée une activité achat et vente. Moun sa pas gagné avec sacré entrepreneuriat. Bien que on définit entrepreneuriat comme l'action d'entreprendre une activité ou bien quelque chose, mais c'est pas ça pas veut dire le fait que ou a font bagaille qui a bon bénéfice, qui a bon profit pour dire que ou a faire sacré entrepreneuriat. OK? Entrepreneuriat, yo wel takou yon moun qui invente yon bagay, yon moun qui produit yon bagay. Vous comprenez? Par exemple, ou gen doit acheter manioc. Non mais yon moun ou prend manioc lan ou fait sakrele kassav avel. Les sa konya la ou produit ou transformer produit ça qui c'est manioc lan ou vin fèl devenir en kassav. OK? Là qu'on y a là, ou son monde qui inventé. Bien que, par exemple, Kassavlan, son bagay qui l'a déjà, c'est un bagay nous habitué avec elle. Mais, en dit que ou yve dans l'autre pays, côté que yon pas habitué avec kassav, ou achete manioc là, et puis ou même ou fait Kassavlan. Là, ou pote yon nouveauté sur marché ça, pas de gen Kassavlan déjà. Et qu'on y a là, ça, ou pas de gen pour faire, ou pas le convaincre moun yo, pour venir acheter produit ça que ou inventer produit ça que ou porter qui pas là déjà. C'est travail yon entrepreneur, yon moun ka prend risque mais qui c'est yon risque calculé. Est-ce que vous comprenez? Mais yon moun ka acheter un produit tout fait pour le revendre ni tout fait, moun ça li pas prend même risque avec moun qui transformer un produit qui vient avec un bagage qui nouveau. Est-ce que là? C'est là nous ka tout suite ouais gagner une grande différence entre monde qui pratique l'entrepreneuriat et monde qui ka pratiquer une activité ka fait sacré achat et vente. L'important mettre chaque bagay en place yo. Un pour exemple qui simple. Lo regarder ouais en Haïti, c'est plus achat et vente yo fait. À l'acheter produit en tout fait dans l'autre pays et puis vin vendre ici. Ça veut dire un paquet moun qui c'est gros commerçant mais je ne paquet moun tout créé entrepreneur. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire nous même ici nous fait ba yo différent. c'est parce que moun qui entrepreneur, c'est un monde qui prend en pile risque parce que les produit un produit, c'est lui qui pour convaincre moun venir acheter produit. Dans cas ça, c'est qu'on a dit il prend un risque mais un risque calculé. Mais le différent avec commerçant qu'à acheter produit en tout fait ou bien un entrepreneur à acheter produit et puis il vient vendre. Dans cas haïtien lui-même ou joine pi fort moun yo plus fait ça que les achats et ventes, ça veut dire yo devenu gros commerçant, businessman. Businessman pas un entrepreneur. Parce que yo pas gain même rôle, yo pas prendre risque la même gens. Est-ce que vous comprenez? Faut nous essayer bien maîtriser ça pour nous comprendre. C'est pas toute activité on a fait qui gagne à ouais avec ça que l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, moun qui décide entrer là-dedans, c'est un monde qui décide prendre risque parce que l'ipral fait ça que l'innovation, l'ipral entrer dans créativité et produit la vin avec yo, c'est des produits li gagne pile travail pour faire pour encourager moun acheter produit ça yo nan men. Mais espérez nous comprendre. Et si nous avons des questions, nous pouvons aller dans les commentaires, poser des questions, nous allons répondre soit dans les commentaires ou bien dans l'autre vidéo. Un entrepreneur a plus de travail pour le faire que un monde qui est un simple commerçant. Ça veut dire un monde qui a fait sacré acheter pour revendre. Ouais, un monde qui a fait sacré acheter pour revendre, un commerçant, il a pour devoir seulement encourager moun vin acheter produit à Namen, mais li pa gen pour convaincre moun vin acheter produit à Namen parce que c'est pas li qui fait produit. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire ou vendre vêtements, c'est pas ou confectionner vêtements, ça veut dire pas ou faire, c'est pas ou réaliser vêtements yo. Dans cas ça, ou seulement dire au moun vin acheter rad ça. Ouais, mais le différent avec un entrepreneur qui produit sacré les Kassavlan, c'est lui qui fait, lui qu'on a qui ça lui fait Kassavlan, lui gagne capacité, lui gagne élément pour le dire mon non, mais Kassav ça lui fait avec tel produit, ou ka joindre tel bagage, tel type de vitamine dans produit ça parce que c'est lui qui fait, lui qui fait produit, lui qu'on qui ça le mettait dans produit. Ouais, ça veut dire entrepreneur lui produit, l'innover. Il fait sacrer les créativités et accompagné de sacrer les innovations. Est-ce que vous comprenez? Mais la caille, yon moun ka fait sacrer, ka fait achat et vente, moun sa li même li pa gagné tout élément sa yo pour y convaincre moun vient acheter produit la vendre. Ouais? Et m'pa connais si bien saisi différence que m'ban nou de entrepreneuriat et sacrer les businessman. Ouais, business là tout le monde qui fait business parce que c'est seulement ou acheter produit et puis ou vendre produit. Ouais, mais entrepreneuriat, li pas même facilement comme si pour tout n'importe monde capable courir entrer non, vinn faire ça que l'entrepreneuriat. C'est dans ce sens ça fait que moi t'ai décidé faire vidéo ça pour m'être capable aider moun kap suivre moi yo. Moun kap gade vidéo ça, comprendre réalité ou bien différence qui gagne entre yon businessman, yon commerçant avec sa krele yon entrepreneur. C'est pas même bagaille du tout. Alors que dans des séries pays ou bien des trois moun, vle fè nou comprendre, c'est même bagaille. Depuis ou gon activité ou a fait kap bon l'argent ou c'est un entrepreneur. Mais non. Ouais, c'est pas vrai. C'est là que vous transformez au poton bagay qui pour réaliser un besoin. Ça veut dire, gon bagay moun yo, gon besoin, moun yo genyen, gon problème moun yo genyen, et puis ou même ou poton solution. Ou pote solution à problème moun yo genyen. Vous comprenez pas ça qu'arrive tout, gon bagay qui te là, ou innover, ou poton, ou transformer, ou vin ba yon lot bagay. Un bagay qui vient presque paraître nouveau par rapport à Jean Teye déjà. Laissez-nous capable de parler de entrepreneuriat. Faut que nous Fais différence entre thème yo, faut pas mélanger thème yo. Information ça la utile ou en pile pour capable permettre ou comprendre qui est yon moun c'est yon entrepreneur, qui est yon moun c'est yon businessman. Nous dit yon moun qui c'est businessman, li son moun ka fait sacré acheter pour revendre. Moun sa pa gen trop effort pour le faire pour le fond moun vinn acheter produit a. Li seulement capable jouer sous prix par rapport à prix l'acheter et avec transport. Prix l'acheter plus transport, li garder la fond bénéfice et puis li vendre produit a. Mais li différent avec entrepreneur, la pa regarder coût produit en coûté li en général. À partir de là qu'on y a là pour décider sur qui prix pour le vendre produit, c'est très différent. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire si vous sou bien comprendre vidéo ça, ou après en Haïti, gain moins en Haïti gain moins entrepreneur, gain plus businessman, plus commerçant. Yon commerçant pas yon entrepreneur, mais yon entrepreneur capable yon commerçant. OK? J'espère que nous comprenons. Gros différence moi pote pour nous après-midi dans vidéo ça. Moi espérer que vidéo ça fort plaisir. Yon entrepreneur c'est yon moun qui crée yon bagay pour porter une solution à un problème. Ouais, yon besoin gagner yon problème et puis il cherche solution pour satisfaire besoin pour résoudre problème nan. C'est travail yon entrepreneur. C'est pas travail yon commerçant. Est-ce là? OK. Entrepreneur encore, li, j'aime ça dire nous, li c'est un monde qui achète un produit et qui transforme produit à. C'est ça que fait, nous disons entrepreneur, li là pour le convaincre yon monde pour acheter produit par là. Tandis que commerçant là seulement pour interpréter ou bien pour dire vient acheter produit ça, li gen doit dire son bel produit, li capable dire tout ça produit a marqué sous li. Mais entrepreneur c'est lui-même qui fait produit, c'est lui qui ka dire mais qui qualité produit, mais qui ça produit a gain. Ça veut dire travail yon entrepreneur très différent avec travail yon commerçant, yon businessman. Moi pense que après fin garder vidéo ça ou pas mélanger question entrepreneur et businessman. Sous ces businessman ou abdou c'est businessman. Sous ces entrepreneur ou abdou c'est entrepreneur. Par exemple moi-même moi non location. Moi fais location matériaux de construction. Ça veut dire poteau étaient, planche, plywood, etc. Eh bien, je vous remercie parce que vous avez accepté pour un petit temps pour être capable de garder vidéo ça et vous capable de partager avec l'autre ami, l'autre monde qui proche que vous pensez vidéo ça fait bien. Alors, faut me dire que nous gagnons une entreprise qui est le Cofis. Cofis, c'est coaching de finances personnelles et création d'entreprise. Ça veut dire si vous avez besoin de service nous pour coacher ou dans sacré les pour capable faire gestion l'argent, ça veut dire si vous voulez créer budget ou voulez planifier ou gain des objectifs ou besoin qu'on comment pour planifier des objectifs sous gain des événements que cap venir dans longtemps ou ta comme si ou besoin qu'on ait comment pour réaliser projet ça et bon capable contacter nous dans 32 12 70 70 WhatsApp plan c'est 37 75 86 00 ça veut dire soit à l'étranger ou toujours mettez plus 509 37 75 86 00 pour joindre nous sur WhatsApp là soit à l'étranger tout ou joindre nous sur plus 509 32 12 70 70 plus 509 33 55 77 77. Ouais, occasion nous tout à email sous saoul@commercial.gmail.com. SADZOULD à commercial@gmail.com. Et nous bail service en ligne et nous bail service à domicile, quel que soit des ou gain besoin service ça nous dit là dans office là, ou capable contacter numéro ça yo pour joindre service que n'a offrir. OK? Il est important pour capable pour consacrer les budgets et pour capable planifier budget ou tout. Ça permet que vous réalisez n'importe projet que vous gagnez. Ouais, si vous avez besoin de coaching financier tout, nous là pour joindre service dans notre office, une façon pour capable aider créer richesse dans la vie et améliorer conditions financières. Merci, bye bye, à la prochaine. C'est Cylien Saüle qui était avec vous.